Landa, da sind Sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. Enchanté, mademoiselle. Au revoir, Shoshana! Und jetzt muss ich den Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventreiberin, ja? Französische Sklaventreiberin. Wie auch immer. Ich fürchte, als Sicherheitschef dieses freudigen deutschen Ereignisses muss ich ein paar Worte mit Mademoiselle Minieu wechseln. Was für Worte? Das hat ja verdächtig geklungen wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt. Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Nichts läge mir ferner, Herr Standartenführer. Ihre Autorität steht außer Frage. Aber Ihnen eilt ein Ruf voraus. Müssen Mademoiselle Mimieux oder ich uns Sorgen machen? Hans, der Junge ist nicht böse. Er hat sich verkauft in die Kleine. Und er hat recht, Ihr Ruf eilt ihn voraus. Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Avez-vous goûté le schtroumpf ici? Non. Il n'est pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui, deux schtroumpfs, un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer. Il y a encore deux jours, j'ignorais l'existence du soldat Zoller et de ses exploits. Pour moi, le soldat n'était qu'un client de mon cinéma. Nous avons discuté quelques fois, mais... Mademoiselle, permettez-moi de vous interrompre. Ceci est une simple formalité. Aucune raison de vous inquiéter. Ah, veuillez m'excuser, j'ai oublié de commander la crème. Un instant. Attendez la crème. Alors, Emmanuel. Puis-je vous appeler Emmanuel? Oui. Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après vous. Verdict. Comme je disais, pas si mauvais. Vous commencez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma. À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle. Comment s'appelait-il? Jean-Pierre et Adam Mimieux. Où sont-ils à présent? Mon oncle a été tué pendant la Blindstring. Oh, la vraie. Continuez. Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier. Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai?